dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. مالك يوم الدين، إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا. Ah, je fais honneur aux chrétiens, je fais honneur aux Ivoiriens, aux chrétiens, aux musulmans. Je fais honneur à toute la Côte d'Ivoire. Je remets l'hymne national et puis je commence à parler, s'il vous plaît. Non, là, ça doit être écrit. Hein. Ok, je remets l'hymne national. Que Dieu vous bénisse puissamment, chers Ivoiriens, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés ce matin. Que la grâce soit sur vous. Je remercie Dieu de ce qui m'a fait connaître le monde avant de le connaître. Je remercie Dieu de ce qui m'a fait connaître la rue avant de le connaître parce qu'il m'a donné un caractère. Avant que Dieu m'appelle, il m'a donné un caractère que personne ne peut m'enlever. J'ai vécu dans les ghettos, j'ai dormi sur des bancs, j'ai dormi dans des rues, j'ai dormi au marché d'Agamé, j'ai dormi sous des ponts, j'ai dormi à Sikobois. J'ai vécu des choses et Dieu m'a vraiment formé avant même de m'appeler et je lui rends la gloire ce matin. Mon direct de ce matin... C'était pas pour durer, c'est juste pour parler aux Ivoiriens. Je vais commencer avec les cyberactivistes de la diaspora. Je commence avec vous d'abord. Les cyberactivistes de la diaspora.
vous qui avez fait des appels, vous qui avez fait beaucoup de vidéos, et vous avez motivé nos frères de la Côte d'Ivoire, la population de la Côte d'Ivoire, vous avez motivé les jeunes de la Côte d'Ivoire. Vous, vous êtes en Europe, vous êtes en France, nous sommes hors du pays. Mais rappelez-vous que vous êtes assis devant votre écran, dans vos voitures, dans vos maisons, je ne sais pas où, vous avez dit à chacun son lequin. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, mettez massivement des cœurs. Mettez des cœurs sur ce direct. À chacun son lequin. À chacun son lequin. Tout le monde dans la rue. À chacun son lequin. Tout le monde dans la rue. Mais ce n'est pas vous qui êtes dans la rue aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui êtes en train de braver des dangers aujourd'hui. Il y a des jeunes gens qui se sont levés, qui ont écouté vos appels. À chacun son lequin. À chacun son lequin. Tout le monde dans la rue. On doit chasser Draman. Non à la Constitution, ceci, cela. Non, ceci, cela. Mais les jeunes là, les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils vous ont écouté. Aujourd'hui, ils sont dans la rue là. Il y a la plupart d'entre vous, on ne vous entend plus. La plupart d'entre vous, on ne vous entend plus, on ne vous voit plus. Les jeunes qui sont dans la rue là, ils ne vont pas manger cailloux. Les jeunes qui sont dans la rue là, ils ont besoin de se déplacer, ils ont besoin de moto, ils ont besoin de voiture. Ils ont besoin aussi qu'on leur donne à manger. Vous avez dit à chacun son lequin, à chacun son lequin. Pourquoi toujours pour la politique, les gens aiment utiliser les pauvres pour régner? Moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Mais la plupart d'entre vous, vous faites partie d'un parti politique. Certains d'entre vous même étaient des anciens militaires. Certains d'entre vous étaient des anciens militaires. Vous faites partie de la politique. Excusez-moi, je vais ouvrir ma page Facebook pour bloquer juste les personnes qui n'ont rien à faire. Comme ça, ça c'est en direct, c'est juste en face de moi. Je fais ça rapidement. Quand je vois les têtes de moi, je te dis pour dire que tu t'es trompé. Voilà. Donc, mettez les cœurs, mettez massivement les cœurs. La plupart d'entre vous sont des militaires. Des anciens militaires. La plupart d'entre vous, Moussa Lamine Doumbia, je te bloque. Merci. Allez, sors de mon direct. La plupart d'entre vous, vous voyez, vous êtes ici et vous laissez, vous avez dit à chacun son lequin. Les jeunes sont sortis dans la rue. Les jeunes sont dans la rue. C'est maintenant que vous devrez leur montrer que vous êtes avec eux. C'est maintenant que vous devrez leur montrer que vous êtes avec eux. La plupart d'entre vous, on ne vous entend plus. On dirait que votre message est passé. Les jeunes là vont aller dans la rue. Certains vont se faire tuer. D'autres vont être blessés. Et puis vous, vous êtes ici en Occident. Un jour, vous allez descendre au pays pour aller profiter. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas un ancien militaire. Je ne suis pas un ancien rebelle ou un ancien militaire. Que les choses soient claires. Je suis comme une épée à double tranchant. Quand je frappe à gauche, je frappe à droite. Le problème, c'est que je ne suis pas dans un camp. Moi, je ne suis pas dans un camp. Je vais toujours parler de justice et de vérité. Les enfants des gens que vous avez dit, allez-y, 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 à chacun son lequin, ils sont dans la rue. Ne les laissez pas. Hein. Ne les laissez pas là-bas. Hein. C'est maintenant qu'on veut vous voir. Ne les laissez pas. Hein. Parce que vous n'allez pas utiliser les enfants des gens pour pouvoir régner. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Maintenant là, avant que je revienne ici, je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. J'espère que je vais trouver ça. Avant que je vienne, est-ce que je peux trouver? Ouais. Ok, écoutez ça. Écoutez ça.
Bonsoir, grand frère. Ouais. De quoi ça va? Je vais te déranger encore un peu parce que j'ai mal au cœur. Tu sais, j'ai vu ta vidéo que tu as fait au niveau d'Abengourou, on distribue les armes. Ouais, tu sais, la mentalité africaine, on ne sait pas comment la qualifier. Donc, crois, j'ai mal au cœur, mon grand. Parce qu'aujourd'hui, les subartifices, quelques subartifices, ont encouragé nos frères, ils ont encouragé nos petits frères, nos grands frères, nos grandes sœurs, à sortir contre le troisième mandat. Je te passe ça parce que j'ai mal. Si tu comprends. Aujourd'hui, ils ont activé le feu. Aujourd'hui, la jeunesse est sortie. La jeunesse est sortie. Moi-même, j'étais surpris de voir ce monde-là dans la rue. Au lieu de continuer à les encourager, aujourd'hui, beaucoup de subartifices ont fait le silence. Plein. Ceux qui ont fait le bruit, la majorité, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui connaissent sur les réseaux sociaux, même la majorité, ont fait le silence. Oui. Et je ne sais pas pourquoi qu'ils ont fait le silence, en tout cas. Le groupe des Soulevés de Paris. Bon, moi je ne vais pas mettre nom de quelqu'un dedans, donc je coupe les audios. C'est pas, je vais pas mettre nom de quelqu'un dedans. Je parle de tous les cyberactivistes qui ont motivé les jeunes à chacun sur le quai, tout le monde dans la rue. Moi, quand je fais mes directs là, je suis toujours derrière le gouvernement. Je dis au gouvernement, ce que vous faites n'est pas bon. Je dis à Alassane, tu vas voir. Je dis à Ahmed Bakayoko, tu vas voir. Je motive les gens à ne pas faire du mal et je dis aux autres de prendre courage. Mais je ne suis pas d'un parti politique, donc je ne défends pas un candidat. Mais vous qui défendez un candidat, vous savez que si Alassane n'est pas là demain, vous allez peut-être pouvoir être au pouvoir, vous allez faire ceci. Il y a des enfants, des gens qui sont dans la rue, que vous avez motivés. À chacun son lequin, à chacun son lequin. Ils sont sortis. Ils sont dans la rue. Je prie que vous vous rappelez de ces enfants-là. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous d'eux et ne les laissez pas comme ça. De la manière où vous pouvez les aider, aidez-les. Et puis, vous les avez motivés, qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce ils sont déjà dans la rue. Ils ne vont pas reculer tant que ce problème n'est pas réglé. Mais ne les laissez pas comme ça à l'abattoir. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, je voudrais parler en parabole. Et après, je vais terminer avec une petite vidéo. Je vais terminer en parabole. Vous savez, Pharaon, le roi Pharaon, mettez des cœurs, parce que là, je parle en parabole. Pharaon, le roi Pharaon, est entre la et la mort, est déjà de l'autre côté. Où est déjà de l'autre côté. Même si on ne nous dit pas la vérité. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas parler précisément et j'essaie de ne pas. C'est-à-dire, je préfère parler comme si je faisais un poème. J'essaie de parler comme si je faisais un poème. C'est-à-dire que je vais parler en parabole. De la manière que j'ai parlé des baobabs, c'est comme ça que je vais parler. Le roi Pharaon, avant qu'on entende que le roi Pharaon avait eu une crise, le roi Pharaon était allé dans un cimetière. Ce jour-là, il était allé faire des incantations. Et le roi Pharaon, selon la vision que Dieu m'a donnée, une entité, il n'a même pas dit un ange, une entité de la terre ivoirienne l'a frappé. Et quand l'entité l'a frappé, c'est là qu'on nous a dit qu'il a eu une crise. Mais il n'est pas sorti de cette crise. Il n'est pas sorti parce que l'entité était venue pour le tuer. L'entité était venue lui dire c'est trop, trop de sang versé, tu peux plus. Donc il a été frappé. Actuellement où je vous parle, certainement certaines personnes autour de lui savent que Pharaon n'y est plus. Mais il veut trouver pour vous effrayer.
résister parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Ils savent que c'était sur Pharaon qu'ils comptaient et que c'est fini pour eux. En fait, certains vont fuir pour aller au Sénégal. Certains vont fuir pour aller au Nigeria. Certains vont fuir pour aller en Europe. Certains vont fuir. Ils sont déjà en train de se préparer parce qu'ils savent que Pharaon ne peut plus rien faire pour eux. Pharaon ne peut plus rien faire pour eux. Il y avait une femme qui avait fait un songe et qui avait dit qu'elle voyait le fauteuil royal, un grand fauteuil présidentiel, et puis il n'y avait que du sang qui coulait. Mais il y avait un bélier qui voulait, qui tournait autour, qui voulait descendre, mais qui ne descend pas. J'avais traduit ce songe en disant à la dame que le bélier représente nos ancêtres. Le bélier représente, on dit Oufoué Boigny était le bélier de la Côte d'Ivoire. Oufoué représente tous nos ancêtres. Donc le bélier représente nos ancêtres qui se et qui voient que le trône veut le rentrer, il veut l'agir. Et c'est ce qui s'est passé. Pharaon a été frappé. Pharaon a été frappé. Dieu s'en est occupé. Ceux qui sont autour de lui savent la vérité. Quand une autorité de foi meurt, ou bien une autorité meurt, en général, on ne dit pas, les gens ne disent pas ça directement. Ils trouvent le temps, l'occasion et le moment. Surtout qu'il y a des troubles en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas s'élever pour dire, oh, Pharaon n'y est plus. Ça ne les arrange pas. Donc, les gens vont vouloir peut-être camoufler, cacher. Non, il est parti à Los Angeles. Non, il est parti à Yaoundé. Non, il est en France. Non, il est dans... Ils vont juste pour distraire les gens. Mais ils savent eux-mêmes que Pharaon a été frappé. On veut ou pas, Pharaon a été frappé. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, Pharaon a été frappé. C'est pourquoi je vais dire aux gens, ceux qui veulent continuer à prendre des machettes pour tuer nos frères et sœurs, arrêtez. Vous faites quelque chose, vous faites des choses inutiles. Celui pour qui vous avez tué vos frères est déjà frappé. Vous aussi, vous allez être frappé. Parce que quand Dieu se lève dans sa colère, il frappe. Il a été frappé. Donc, vous qui vous levez, on veut tuer. Vous savez c'est qui vous manipule maintenant? Ce sont les petits baobabs. Les petits baobabs qui sont à côté de Pharaon. Les petits baobabs qui sont à côté de Pharaon. Ceux qui ont mangé, ceux qui ont bu, ceux qui ont rempli leur ventre, ceux qui ont peur de la CPI, ceux qui ne savent pas où aller, ceux qui se demandent qu'est-ce qui va les arriver après, c'est eux qui sont en train de vous motiver pour tuer. Ne prenez pas des machettes pour aller tuer vos frères. Même si des gens marchent contre la Constitution, si des gens marchent contre ce gouvernement, n'allez pas les tuer. N'allez pas les tuer. C'est fini, l'histoire elle est close. Dieu a mis sa main là-dedans. N'allez pas. Vous allez les tuer pour des gens qui veulent juste régner, mettre la nourriture dans leur ventre et puis vous voir mourir de faim. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es qui que ce soit. Ne te lève pas pour prendre des armes, une machette pour aller tuer tes frères. Les gens veulent juste vous manipuler pour pouvoir rester là. Ils veulent continuer à effrayer pour trouver, c'est-à-dire pour avoir le temps de ramasser leur argent avant de partir. C'est tout. Le petit baobab qui était à côté de Pharaon, lui-même actuellement, il est très effrayé. Parce qu'il sait qu'après la chute de Pharaon, c'est sa chute. Seulement, même s'il pouvait se laver les mains, il allait le faire, mais il est coincé dans quelque chose. Les autres petits baobabs qui sont à côté, que je ne veux pas dire les noms, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas dire de nom. Les autres petits baobabs qui étaient dans le gouvernement de Pharaon, ceux-là, ils cherchent à se protéger, ils ont peur de la CPI. Ils disent, on va insister, on va les... Si on finit les effrayer, peut-être qu'ils vont baisser les bras. Mais s'ils ne baissent pas les bras, on est foutu. Donc c'est ce combat-là qu'ils sont en train de mener.
Alors ne vous entretuez pas. Ne prenez pas des armes pour aller tuer vos frères. Ne prenez pas des armes pour aller tuer vos frères. Ça ne sert à rien. Ne vous entretuez pas. L'Ivoirien ne doit pas s'entretuer. Le peuple doit rester uni. Si vous voyez vos frères en train de marcher, de faire des barrages ou quoi, laissez-les. Ce sont vos frères. Ne rentrez pas dans ce jeu. Qu'aucun Ivoirien ne tue son prochain. L'Ivoirien n'a pas de problème contre son frère. L'Ivoirien veut que le gouvernement qui ne prend pas soin de son pays baisse ses bras pour que le pays soit bien pour vous tous. N'allez plus tuer vos frères. N'allez plus tuer vos frères. Ok. J'ai fini avec ça. Je vais vous montrer une vidéo avant de revenir. Regardez cette vidéo. Attendez. Pourquoi ça? Il n'y a pas de son. Je vais revenir. Il n'y a pas de son. C'est comme ça. Excusez-moi, il n'y a pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi, je réitère parce que souvent ça fait ça. Donc, ce qui est sûr là, nous sommes tous des hommes. On est tous nés, on va tous mourir un jour. Moi-même qui parle là, Dieu va me prendre. Je ne sais pas comment, quand, mais un jour je vais mourir. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est éternel. Il n'y en a pas. Notre papa Oufoué Boye même là, il est parti. Nos ancêtres sont partis. Moi qui parle, ma maman elle est partie, mon papa est parti. On va tous partir un jour. Il y a un monde après la mort. La mort là, c'est juste ce monde là que tu quittes. Mais il y a un autre monde après la mort. C'est pourquoi même quand on vit, on ne doit pas avoir peur. Vie pour se préparer à la mort. Quand tu es né, tu es devenu déjà candidat de la mort. Depuis le premier candidat de la mort, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir un jour. Tu veux, tu ne veux pas quitter ce monde. Personne ne va rester éternellement dans ce monde. Donc que ce soit le roi, le pauvre, ceux qui tuent leurs prochains actuellement, eux-mêmes vont mourir aussi. De leurs actes. Donc, ne vous entretuez pas pour des gens qui vont mettre de l'argent dans leur ventre. C'est tout. Je ne vais pas être long ce matin. J'espère qu'on aura le son. Oh, mais c'est pas possible ça. Il y a des vidéos, quand on m'envoie, je ne peux pas avoir de son. Et puis il y a des vidéos, j'ai le son. Ah, d'accord. Attendez, on va reprendre. Si tu as attrapé un petit Baoulé, faut le macheter.
découpé, qu'on attrape son zizi pour couper à un couteau comme ça. Vous avez compris? Tout ça pour un seul homme. Tout ça pour une seule personne. Il y a certaines personnes qui me disent, pasteur, prends la paix. Pasteur, parle de la paix. Mais je ne fais que parler de la paix. Je ne fais que parler de la paix. La paix pour le pauvre. La paix pour ceux qui perdent leurs parents. La paix pour les orphelins. De quelle paix voulez-vous que je parle? La paix des riches? La paix de ceux qui remplissent leur ventre? Vous voulez que je les supporte? Le pauvre qui le défend? L'orphelin qui prend soin de lui? La veuve qui s'occupe d'elle? En 2002, il y a eu des orphelins. Il y a eu des veuves. Malgré cela, on s'est dit, on va rentrer dans la réconciliation. Laissez Alassane Draman Ouattara gouverner. Nous tous, on a fermé nos bouches. On dit, c'est un président, laissez-le. On l'a laissé.
On l'a laissé. Il a eu 5 ans. Après, il dit, je veux encore. Il a eu 10 ans. Le peuple a souffert. Les gens, des fonctionnaires n'ont pas de travail. Aujourd'hui, les travailleurs de l'hôtel du Golfe n'ont pas été payés depuis plus de 7 mois. Actuellement, ils sont en train de faire une grève devant l'hôtel. Des fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a des gens qui avaient des magasins, on a cassé. Il y a des jeunes qui se débrouillaient avec des cabines, on a cassé. Il y a des gens qui se débrouillaient. On va dans un quartier précaire, puisque la guerre a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés à Abidjan. On ne construit pas de maisons pour des gens. On va, pourtant ils ont des milliards. Ils dorment dans des châteaux, ils ont des villas, des maisons partout. Ils vont dans un quartier précaire. Ils cassent, ils vendent le terrain à un étranger. Ils vendent le terrain à quelqu'un qui leur donne plus de l'argent. Et nos parents vont dormir dans les cimetières. Quand ils disent, ils viennent demain encore, ils viennent casser. Ils les jettent dans la rue. Le prix du cacao, du café, tout ça baisse. Les gens sont là. Ils ont peur. Ils ont la peur dans le cœur. Ils disent, si je parle, je vais aller en prison. Si je parle, je vais mourir. Si je parle, je vais faire ceci. On nous a blagué avec un pont. On nous a blagué avec des goudrons. Mais le peuple lui-même était rempli de chagrin. Le peuple lui-même. Quand Oufou était là, le peuple mangeait. Quand Bédi est venu, avant même de faire votre coup d'état là, on mangeait, on n'avait pas de problème. Depuis que le coup d'état a commencé, les Ivoiriens ne se comprennent plus. Vous dites que Gbagbo n'est pas bon. Vous êtes venu tout faire pour chasser Gbagbo. Mais maintenant Gbagbo n'est pas bon. Pourquoi vous venez faire pire que Gbagbo? Vous dites que Gbagbo était sanguinaire. Gbagbo était ceci. Gbagbo était cela. Mais vous êtes resté 10 ans. Pendant les 10 ans là, il n'y a pas eu de rebelles. Pendant les 10 ans, il n'y a pas eu quelqu'un pour vous attaquer. Vous nous avez donné quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez réconcilié qui? Le message de réconciliation que vous avez donné, c'était à vous, le gouvernement, de rassembler les Ivoiriens. Les gens avaient la haine dans le cœur. Les gens avaient des chagrins. Il y avait des orphelins, tout ça. C'était à vous de faire des messages de paix, de réconciliation. C'était à vous d'aider les gens. C'était à vous de dire aux exilés, rentrez au pays. C'était à vous de ne pas continuer à mettre les gens en prison. Mais vous avez fait la raison du plus fort. Vous avez gonflé votre poitrine, vos épaules. Vous avez dit, on a des armes. On a l'armée, on a tout. Tout nous appartient. Jamais ils vont ouvrir leur bouche. On va leur montrer qui on est jusqu'au bout. Pendant 50 ans, on va régner dans ce pays. Vous êtes restés là. Certains Ivoiriens mangent parce qu'ils sont collés à vous. Certains Ivoiriens sont bien parce qu'ils sont de votre parti politique. Certains Ivoiriens sont heureux parce que vous les faites profiter. Et le reste des Ivoiriens, les exilés au Togo, au Bénin, partout dans le monde, ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas vu leur pépé pendant 10 ans, ils sont où? Et ceux qui sont en prison, qui meurent, depuis qu'ils ne voient pas leurs enfants, leur famille, ce ne sont pas des Ivoiriens? Est-ce que ce ne sont pas des Ivoiriens? On ne peut pas venir par les armes, on ne peut pas venir par la guerre, régner, et puis continuer à régner par la guerre, par les armes, par la raison du plus fort. Quand on lutte par l'épée, on périt par l'épée. Quand on lutte par l'épée, on périt par l'épée. Je ne suis pas contre le RDR. Le RDR, c'est un parti politique. Je ne suis pas contre le LHDP, c'est un parti politique. Il y a des Ivoiriens et qui sont rentrés dans ce parti, on ne va pas les en vouloir à vie. Mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont manipulé les Ivoiriens, ceux qui ont mélangé le cerveau des Ivoiriens, ceux qui ont dit aux Ivoiriens, celui qui est à gauche n'est pas ton frère, celui qui est à droite n'est pas ton frère, le musulman, le chrétien, ceux qui ont mélangé le cerveau des Ivoiriens juste pour leur ventre, c'est à eux que je parle. Donc ne venez pas me dire, pasteur, prendre la paix. Au contraire, mon message est un message de paix. Il y a un proverbe qui dit, on ne peut pas être dans le magnan et enlever les blessures du magnan. Quand tu es blessé là, que tu vas à l'hôpital, on est obligé de mettre, c'est-à-dire de nettoyer ta plaie. On va mettre des choses dans ta plaie, ça va te brûler, ça va te faire très mal. Et puis après, on va panser la plaie. Tu es blessé, et puis tu prends pansement pour mettre sur la plaie sans soigner, ton pied va pourrir, bien ta main va pourrir. Tu ne peux pas faire d'omelette sans casser des œufs.
Même si tu aimes l'œuf, avant de manger l'omelette, tu vas casser l'œuf d'abord. Vous vous dites, prenez la paix. Mais c'est la paix que je prends. La paix pour le pauvre, la paix pour le malheureux, la paix pour celui qui ne peut pas parler, la paix pour ceux qui sont en prison, qui souffrent, la paix pour les exilés, la paix pour nos parents qui sont dans les villages, qui sont égorgés, la paix de ceux qui sont allés arracher leur terrain, la paix de ceux qui ont arraché leur maison, la paix, la paix, la paix pour ceux qui souffrent. Je ne suis pas le messager des riches, je suis messager de Dieu. Et j'aime la justice. Vous avez compris? Donc, je prends la paix. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, prends ma paix. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est à cause d'une appelle Alassane Dramane Ouattara. Il est venu par la raison du plus fort. Il veut rester à vie par la raison du plus fort. Il a été têtu. Des imams lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Des pasteurs lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Ses frères de l'Union africaine lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Des politiciens du monde entier lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Des gens même de son parti lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté. Il a été têtu. Il a cru que parce qu'il est venu par la force, il va rester à vie par la force. C'est lui le problème de la Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens ne sont pas les uns contre les autres. Vous allez voir que si tout ça est fini, le RHDP, le PDCI, le RDF vont être, ils vont commencer à sympathiser, faire de la vraie politique, la vraie politique, dans la paix comme on l'a connue avant. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. C'est Alassane Dramane Ouattara et ses baobabs qui sont derrière lui, qui le suivent pour manger, qui n'aiment pas les Ivoiriens. Donc, quand un homme comme moi est en train de parler et que des Ivoiriens viennent l'insulter, non, active la paix. Mais moi, je parle pour qui? Je parle pour vous. Je parle pour vous, pour ta soeur qui souffre. Je parle pour ton frère qui souffre. Je parle pour tes parents qui n'ont plus rien à manger. Je parle pour des gens qui ont la haine dans le cœur parce qu'ils n'ont rien à manger. Je parle pour les prisonniers. On ne peut pas bâtir un pays avec un seul parti politique. C'est pourquoi il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens accusaient Gbagbo quand il luttait contre Oufoué pour le multipartisme. Gbagbo a mené ce combat. Ce combat a été remporté. Aujourd'hui, le multipartisme existe. On est dans un pays démocratique. Pourquoi allons-nous entretuer puisque nous sommes dans un pays démocratique? La politique, ce n'est pas tuer son prochain pour régner. C'est la discussion. Mettre des idées sur table et puis convaincre le peuple, parler. Mais on ne peut pas être dictateur dans un pays démocratique. Donc les Ivoiriens ont été patients. Parmi ceux qui meurent, il y a des Baoulés, il y a des Gouraud, il y a des Bété. Au RHDP, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Doula, il y a tout. Au PDCI, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Doula. Et au FPI, c'est mélangé partout parce que nous sommes tous Ivoiriens. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont papa Baoulé, maman Doula. Il y a des jeunes Ivoiriens qui ont papa Gouraud, maman Sénifo. Ce sont des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. Le musulman est Ivoirien. Le chrétien, c'est pourquoi ce matin j'ai mis le Notre Père et j'ai mis aussi la Fatih. Nous Ivoiriens, que nous sommes même chose. Quand les musulmans sont en train de prier, ils prient Dieu. Quand les chrétiens prient, ils prient Dieu. Pourquoi allons-nous entretuer alors que nous avons le même Dieu? Pourquoi allons-nous entretuer alors que nous avons le même pays? Pourquoi? Pour une personne. Pour un seul être humain. Pour quelqu'un. Un monsieur. Normalement, l'armée ne devrait pas suivre Alassane Dramane Ouattara. Normalement, les gendarmes ne devraient pas l'écouter. Les policiers ne devraient pas l'écouter. Ils vous donnent la paix. Mais vous ne tuez pas vos frères. Vous n'attaquez pas vos frères. Tu es militaire. Tu es là pour protéger. Tu es militaire. Tu es là pour soutenir le peuple. Tu es gendarme. Tu es là pour soutenir le peuple. Les militaires, vous n'êtes pas là pour faire la guerre contre le peuple. Vous êtes là pour faire la guerre contre les ennemis du peuple. C'est pourquoi on devient militaire. On est militaire pour combattre les ennemis du peuple.
On n'est pas militaire pour combattre le peuple. On n'est pas militaire, on ne porte pas treillis pour combattre son peuple. On porte treillis pour combattre les ennemis de son peuple. On est gendarme pour instituer la loi, les règles, la protection du peuple. On n'est pas gendarme pour tuer son propre peuple pour un président. On n'est pas policier pour tuer son propre peuple. C'est vous qui devrez protéger le peuple. Si les gens ont marché, votre rôle était de les encadrer. Votre rôle, c'est de les encadrer, de les protéger pour ne pas qu'il y ait des bavards. Ils marchent, vous les protégez qu'il n'y ait pas de bavures. Mais votre rôle n'est pas de prendre des fusils pour les tirer dessus. Votre rôle n'est pas de prendre des pistolets pour les tuer, des bombes lacrymogènes, tout ça. Non, ils ne font rien de mal. Oufoué Boigny a dit, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Oufoué Boigny dit, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Même s'il n'est pas en prison, il est prisonnier. Donc quand les gens ont faim, quand des jeunes remplissent un pays, ils n'ont pas de travail, ils ont des diplômes, ils ne peuvent rien faire. Ils cherchent stage, ils ne trouvent pas. Ils veulent voyager, ils ne peuvent pas. Ils veulent entreprendre, ils ne peuvent pas. Quand des cadres ont perdu leur travail, ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Quand des gens qui avaient des sociétés ont tout perdu. Quand des terrains ont vu qu'on leur a arraché leur terrain. Quand des gens qui avaient des plantations ont vu que des gens ont pris leur plantation, ils ne peuvent rien dire. Oufoué dit, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Il ne peut pas être un homme libre. Vous comprenez? Celui qui a faim ne peut pas être libre. Donc, les gens qui marchent, c'est parce qu'ils revendiquent quelque chose. Ils disent, on a faim, on veut manger maintenant. On a soif, on veut boire maintenant. On a des diplômes, on veut travailler maintenant. On ne croit plus à Alassane. Pendant 10 ans, on l'a cru. Pendant 10 ans, on l'a écouté. Nous tous, on a chanté Alassane, Alassane. Parmi ceux qui marchent aujourd'hui, il y a certains qui ont crié, oh, Alassane, Alassane, Alassane. Il y a certains qui ont chassé Gbagbo parmi ceux qui marchent aujourd'hui. Il y a certains qui ont cru que Gbagbo était le diable. Il y a certains qui prédisent Alassane, prédisent. Ils sont en train de marcher aujourd'hui. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait tout dedans. Mais ils ont tourné leur veste parce qu'ils ne croyaient pas au monsieur. Ils ont tourné leur veste parce qu'ils ne croyaient plus aux paroles de ce monsieur. Il n'y a rien de ce qu'il a dit qu'il a fait. Il dit, en 5 ans, donnez-moi 5 ans. 5 ans est passé, 10 ans est passé, l'Ivoirien a faim. La Côte d'Ivoire n'est pas développée pour les pauvres. La Côte d'Ivoire est développée pour les riches. On prend le terrain des pauvres et on vend aux riches. Un étranger comme, je ne sais pas, il peut venir de n'importe où, du Maroc, de Liban, il vient, il achète un terrain, on casse toutes les maisons, des gens qui étaient là depuis des années, leurs ancêtres étaient là, leur terrain qui était là, on vient, on casse, et puis on prend le terrain, on donne à quelqu'un. Demain, il passe, il regarde son terrain, il y a un magasin qui est construit, il y a une mosquée qui est construite, il y a un truc, il ne peut pas se plaindre, il ne peut rien faire. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça diriger un pays? C'est ce que moi, je reproche à Alassane Ouattara. C'est ce que je reproche au gouvernement d'Alassane Ouattara. Ma voix est la voix des sans-voix. Ma voix est la voix des pauvres. Ma voix est la voix de ceux qui ont mis leurs enfants à l'école, qui ne voient pas l'avenir de leurs enfants. Ma voix est la voix des mamans qui partaient au marché, qui pouvaient nourrir leurs enfants, mais qui ne peuvent plus rien faire. Ma voix est la voix de celui qui pouvait manger avec 500 francs en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui avec 5000 francs, il ne peut pas manger. Tout est cher. Tu vas même acheter garba. Maintenant, on te vend tomates, on te vend oignons. On te vend huile. Oh, avant Garba, là, quand tu pas 100 francs, tu as, je veux poisson, on te met tout dedans. Tout est devenu dur. Tout est devenu dur. On crie au gouvernement. On dit, pensez au peuple. Faites sortir les prisonniers. Laissez venir les exilés. Il y a même des gens qui sont dans la diaspora à l'étranger. Ils ont des moyens.
Ils veulent aller investir en Côte d'Ivoire pour aider leurs frères. Pas de leur parti politique, on leur donne pas l'occasion de faire. On leur donne pas le terrain. On leur signe pas les papiers qu'il faut pour aider leurs frères dans leur propre pays. Tout est condensé, concentré sur un parti politique. Tout est condensé sur un parti. Si tu n'es pas de ce parti politique, tu n'es pas ivoirien. Si tu n'es pas de ce parti politique, tu ne peux pas entreprendre en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas de ce parti politique, tu es un Satan, tu es un démon, tu es maudit, tu vas aller à l'enfer, on va te mettre en prison, on va te tuer. C'est ce que nous on vit jusqu'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui se débrouillaient. On pouvait les envoyer des voitures de l'Europe. C'est pour pouvoir manger. Ce sont en général des jeunes doula. Ce sont des jeunes musulmans. Ils ont voté votre président. Ils l'ont soutenu. Mais le jour que vous vous êtes levé pour dire une voiture de plus de 5 ans ou de 10 ans ne rentre pas au pays, ces jeunes-là, comment ils mangent? Comment ils payent leur maison? Comment ils prennent soin de leurs femmes et de leurs enfants? Il n'y a que les riches qui vont pouvoir acheter des voitures, des nouvelles voitures, des trucs. Et les pauvres, ils font quoi dans ce pays? Est-ce que les pauvres ne sont pas des êtres humains? Donc, quand quelqu'un comme moi, je suis comme un messager de Dieu pour tout le monde. Je n'incite pas la haine et je n'inciterai jamais la haine. Je parle de justice et je parle de vérité. La vérité, deux fois, ça blesse les gens. Et quand la vérité blesse les gens trouvent tous les mots pour te qualifier. Tu es méchant. Tu n'es pas un bon pasteur. C'est pourquoi hier, je vous ai montré la vidéo de l'imam. L'imam Hakim Touré. L'imam qui parlait comme moi. Parler. Un imam aussi a parlé. C'est que ça vient de Dieu. On dit dans une affaire, quand il y a deux témoins, c'est que cette affaire, c'est la vérité. Avant, vous étiez en train de dire, pasteur. Voilà un imam qui a parlé. L'imam, il est de l'islam, il a parlé. Le pasteur, il est dans le christianisme, il a parlé. Maintenant, vous dites quoi? De la manière que vous m'insultez, allez-y insulter l'imam. De la manière que vous m'insultez, allez-y insulter l'imam maintenant. Allez-y dire à votre imam qu'il est maudit. Allez-y vous dire à votre imam qui va aller à l'enfer. Allez-y dire à votre imam pourquoi il a parlé. Pourquoi c'est sur le pasteur vous avez bouche. Et l'imam qui a parlé hier. C'est pas un être humain, c'est pas un homme de Dieu. Vous voyez comment vous êtes injuste. Il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui veulent que tout soit pour eux. La Côte d'Ivoire, là, toutes les terres, toutes les maisons, ils veulent gouverner. Tu peux rien dire. Tu ouvres ta bouche, tu es en prison. On attrape Imam Hakim Touré. Je prononce bien aujourd'hui. Ils attrapent un cyberactiviste, on le jette en prison. Même l'imam Hakim Touré, ils l'ont jeté en prison parce qu'il a dit une vérité. Actuellement, il y a un pasteur qui est toujours en prison parce qu'il a vu ce qui doit arriver aujourd'hui. Tu peux rien dire dans ce pays. Nous qui sommes là, quand on parle, viens au pays, tu vas voir. Viens, tu vas voir. Ce qui est dans votre tête, c'est de tuer. Ce qui est dans votre tête, c'est d'égorger, de mettre en prison. Est-ce que c'est ça la politique? Toi, tu dis quoi même? Viens ici, tu vas voir. Si tu es garçon, on va t'égorger, on va te tuer, on va te mettre en prison, on va vous découper. Vous les baouler, on va tous vous tuer. Vous les ceci. C'est ça votre politique. Pendant que vous êtes venus par la guerre. Pendant que vous êtes venus par la guerre. Pour ces paroles aujourd'hui en 2020. On va vous tuer, on va vous égorger. Mais il y a un Dieu pour le pauvre. Il y a un Dieu pour les faibles. Il y a un Dieu pour l'orphelin. Il y a un Dieu pour la veuve. Je ne suis pas un haineux. Je ne suis pas un xénophobe. Je ne suis pas. Je suis serviteur de Dieu. Je voyage dans tous les pays du monde entier. Pourquoi je vais? Quand je vais au Togo, Je respecte les Togolais. Je vais au Bénin, je respecte les Béninois. Je vais au Congo, je respecte les Congolais. Au Maroc,
Je respecte les Marocains. Je vais n'importe où. Je respecte les gens de là-bas. Je vois un noir en France, en Europe. S'il est Sénégalais, Malien, il est Congolais, quel que soit son pays. À partir du moment où il a la peau noire, c'est mon frère. Quand je le salue, je dis bonjour mon frère. On parle, c'est après je lui demande si il est d'où. Mais c'est mon frère. S'il est dans un problème, je ne le laisserai pas tomber. Parce que c'est mon frère. Je ne suis pas xénophobe. Mais je n'aime pas l'injustice. On ne laissera plus des gens dominer notre nation, manger, se remplir et oublier qu'il y a des pauvres. Ce que vous avez oublié, c'est que la guerre que vous avez faite en 2002 a rendu beaucoup de personnes pauvres. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, leur plantation, leur voiture, leur entreprise. Donc votre guerre a rendu des gens pauvres. C'était à vous de prôner la paix et de relever ces personnes. Si aujourd'hui toutes ces personnes sont révoltées, c'est à cause de vous. C'est vous-même qui devez vous en vouloir. Vous croyez que les uns les autres font, qui fait que les gens marchent, c'est parce que les gens avaient la haine depuis longtemps dans leur cœur. Ils étaient comme l'eau qui dormait. Ils se sont réveillés. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, mes frères, si vous êtes ivoiriens, ne prenez pas des armes pour aller tuer vos frères. Chers gendarmes, chers policiers, laissez vos frères. S'ils veulent faire barrage, ils n'ont qu'à faire. S'ils veulent marcher, ils n'ont qu'à marcher. S'ils veulent crier, ils n'ont qu'à crier. Ne te lève pas pour aller tuer ton frère. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a créé son problème. Si Alassane Ouattara veut, je ne sais pas où il est. Par exemple, je n'ai pas envie d'appuyer ce que j'ai reçu. S'il veut là, il n'a qu'à sortir d'où il est là. Et puis il n'a qu'à venir faire discours. S'il veut, il n'a qu'à sortir d'où il est pour venir marcher. Il n'a qu'à se mettre devant les opposants pour dire non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Depuis que les gens ont commencé à marcher, vous entendez sa voix? Vous entendez qu'il fait ce discours? Est-ce que vous avez entendu sa voix? Ici en France, quand il y a des manifestants, il y a des trucs, les gens viennent pour apaiser les gens. Ils parlent. Le président parle. Le ministre parle. Les gens parlent. Mais il est à part des petits baobabs qui disent non, on ne laissera pas tomber. Ce qui est sûr, ce qu'il veut, ils vont avoir, on va les tuer. Bédier même, on va l'attraper, on va les mettre en prison. Soro ne va jamais rentrer ici. La raison du plus fort est passée. Cette page est tournée. Regardez, la raison du plus fort est comme ça. C'était là, on a tourné la page, c'est fini. Personne n'a peur encore. C'est fini. Vous ne pouvez plus effrayer quelqu'un. On a vu votre dedans, on vous a examiné, on vous a apaisé. On vous a calculé, vous êtes léger. On n'a plus peur. Fini. La peur s'est enfuie. Votre tour est arrivé. Vous avez compris? Votre tour est arrivé. Moi, j'ai fini. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, ceux qui prient, priez pour votre pays, et surtout, vous qui êtes de la diaspora, aidez les gens. Okosi Baba Nicolo n'arrête pas de vous lancer un appel. Aidez les jeunes, aidez les jeunes, aidez les jeunes. Le Vatican, vous le regardez. Ce sont les enfants des gens qui sont dans les rues. C'est pour vous qui luttent. Vous qui êtes réfugiés depuis longtemps là. C'est pour vous que les enfants sont en train de mourir là-bas. Aidez-les. Ne les laissez pas comme ça. Si vous avez une conscience. En tout cas, vive la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai tout. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié. Un éclaireur qui a lancé l'appel d'aller tuer les gens à Daoukro. Il est fautif. Ce jeune-là reçoit des messages de certains jeunes Ivoiriens en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en France. Ils veulent son nom. Ils veulent des renseignements sur lui parce qu'ils veulent le rencontrer. Donc, tous ceux qui le connaissent, qui ont son nom, qui savent où il est, qui ont des vrais renseignements sur lui, envoyez-moi les renseignements. Parce qu'on veut que celui-là, s'il peut se repentir pour dire à tout le monde, je me suis trompé, pardonnez-moi. Mais tant qu'il insiste, on veut que lui seulement, il reste un exemple. On ne va pas le tuer, mais on va le chicoter jusqu'à ce qu'il va voir la mort et la vie en face.
S'il se répand pas, il pense qu'il est garçon. Donc, tous ceux qui connaissent son nom, des détails sur lui, si tu as une fille, tu es déjà sorti avec lui. J'ai dit, n'importe qui le connaît, on le cherche. Lui, là, de façon, il dit, on n'a qu'à découper les baroulés. On n'a qu'à découper les gants, on n'a qu'à faire ceci, là. On attend. J'ai des gens qui m'écrivent, des jeunes, ils sont motivés, ils sont en Suisse, en Allemagne, il y a un là même, il n'arrête pas, il est prêt à prendre avion. Lui-même, il est en Suisse, mais il est prêt à prendre avion. Si, non, il est en Angleterre, il est prêt à prendre avion. S'il est en Suisse, il va le trouver là-bas. S'il est en France, il va le trouver. Il dit, lui seulement là, il veut rencontrer celui-là. Donc, envoyez-moi des renseignements. C'est pas parce que je veux la haine ou quoi, mais deux fois, il faut donner un exemple. Quelqu'un qui se lève, qui dit, on a qu'à découper les Ivoiriens, c'est quelque chose que je ne peux pas consommer. C'est quelque chose que je ne peux pas consommer. Je ne peux pas consommer. Mes problèmes ont commencé avec Makassa. Quand sa sœur s'est levée un jour pour insulter tous les Ivoiriens, c'est là que mes problèmes ont commencé. Parce qu'il n'a pas osé dire à sa sœur ce que tu as fait n'est pas bien. Quand tu attaques mon peuple, tu m'as attaqué. Quand tu attaques mes frères et sœurs, tu m'as attaqué. Quand tu attaques le pauvre, tu m'as attaqué. Quand tu attaques l'orphelin, tu m'as attaqué. Donc, tu ne peux pas dire d'aller découper mes frères et puis moi, je vais dormir tranquille. Donc, il s'appelle éclaireur, mais ce n'est pas son nom. Donc, il y a un réseau qui est là, qui est en train de faire des recherches sur lui. Parce que lui, là, on va filmer aux yeux du monde, il va se repentir, il va demander pardon. Parce que si lui ne demande pas pardon, à cause de lui, des gens ont pris machette pour aller tuer des gens à Daoukro. On n'est pas content. Donc, ça, c'est mon dernier message. Je mets l'hymne national. Excusez-moi, je la remets. Ok, on va aussi, comme tout à l'heure, j'ai mis la Fatia et j'ai mis aussi le Notre Père en chanson. On va écouter la Fatia encore. On va l'écouter en français et puis je vais mettre le Notre Père. C'est une prière. Ça veut dire que moi, je suis uni à le musulman, je suis uni à tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. Donc, j'espère qu'ils vont bien le... Et coach, thérapeute, ou que tu vends du service. Votre pub là, vraiment. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
famille, voilà, notre Père, le Notre Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse puissamment et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la paix totale revienne dans ce pays. Que nous puissions connaître le bonheur que nos parents avaient connu autrefois. Que nous puissions connaître la joie. Que l'entente entre les fils ivoiriens revienne. Que le bonheur revienne dans ce pays. Nous prions aussi pour le cœur des politiciens, que leur cœur soit adouci, qu'ils reconnaissent leurs erreurs et leurs fautes, qu'ils se repentent de leurs erreurs, de leurs fautes, qu'ils se souviennent du peuple, et que les politiciens, sachant qu'ils ont fait des erreurs, demandent pardon au peuple, que ce pays se restaure, que les rancunes, les haines quittent dans les cœurs, et que le vrai bonheur revienne en Côte d'Ivoire, et que l'amour total, parce que la Côte c'est un pays de tranquillité, c'est un jardin d'Éden. Nous prions pour que vraiment la paix revienne. Oufouéboy nous disait, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Que vraiment notre comportement devienne un comportement de paix, que nous arrêtions de dire dans nos bouches le mot paix sans le pratiquer. Je prie pour les exilés qui puissent rejoindre leur pays. Je prie pour les parents de ceux qui ont perdu des enfants dans la mer, que Dieu les console. Je prie pour ceux qui ont été blessés dans ces temps-ci à cause des marches, qui ont été tués,
que Dieu console les parents, que Dieu rétablisse ceux qui sont blessés. Pour l'armée ivoirienne, pour la police, je prie pour les soldats, pour tous ceux qui sont vraiment des Ivoiriens, que Dieu les parle, que Dieu leur parle dans leur cœur. Je prie pour tous les Ivoiriens qui sont en prison, pour une faute parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils sont d'un parti politique, parce que, pour le pasteur qui est en prison, je prie pour toutes ces personnes, que Dieu se souvienne d'eux. Je prie que le fardeau qui est sur la Côte d'Ivoire disparaisse de la manière que l'Éternel a délivré Israël du joug de l'esclavage, que Dieu délivre la Côte d'Ivoire de tous ses problèmes, de tous ses malheurs, pour qu'un jour nous puissions chanter de joie, le louer. Je prie pour les églises qu'elles se réveillent. Je prie pour les pasteurs, les prophètes qui se réveillent. Je prie aussi pour les mosquées qui prennent l'exemple de cet imam qui prône la paix mais qui dit la vérité. Je prie que notre pays soit délivré, protégé. Je refuse la guerre. Je refuse, mais que la volonté de Dieu soit faite pour le bon et le bonheur des Ivoiriens. Très bonne journée à vous tous. Partagez massivement ce direct. Nous sommes à demain pour notre direct de témoignage pour ceux qui prient avec moi. Merci beaucoup. Au revoir.